Yo tout le monde, c'est Nicky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Need for Speed Most Wanted 2005. Donc on est parti pour aller affronter JV. Bon, avant pour l'affronter, il faut faire les courses, les défis et la prime. Mais on est parti pour les petites courses, toujours avec notre Porsche. Et on va commencer par un circuit, parce qu'on commence toujours par les voitures, par les courses où il y a faible police, comme ça c'est tranquille, on prend nos marques à chaque fois. Parce qu'il faut reprendre nos marques dans le jeu. Oula, la voiture à ma gauche, il y a sa roue qui vole. MDR. Bon, là on voyait pas, mais sur le travelling de caméra, on pouvait voir que la roue arrière gauche est en train de voler dans... était en train de voler, c'était très drôle. Donc petite course de 4 tours. Oh, c'est long. Ça va être très long. Donc let's go. Et donc maintenant, contre les mecs de la liste noire, mais dégagés, il reste, il n'y a plus que 4, que, il y a 3 courses. Non plus 2, mais 3 maintenant. Là, il faut tourner là. Voilà, ils sont plus que, il y a 3 courses à faire et non plus 2. Voilà, contre les mecs de la liste noire. Voilà, voilà. Donc c'est une course normale, c'est pas une course à élimination. Donc si je suis dernier, c'est pas très grave pour ce premier tour. Vu qu'il y a 4 tours, il y a le time. Je sais pas pourquoi je pense qu'il y a toujours un truc, mais il est là le raccourci. Qui a pas l'air trop d'être un raccourci, mais plus un bordel sans nom. Oh là, mais on va où? Oh bordel. Moi je voulais suivre la route, comme d'habitude quoi. Comme dans chaque course où on suit des routes. Bah non. Est-ce que j'avais amélioré ma voiture? Ouais, je l'avais amélioré si je me rappelle bien. Oh là là, il y a du monde. Attendez, la course elle est hyper longue, 4 tours comme ça. Mais non. Ah, comme vous savez, les courses deviennent de plus en plus longues, donc voilà. Bientôt on va faire des épisodes de 2 heures. Là l'épisode que j'ai mis fait le montage, il reste plus qu'à la mettre en ligne. Il dure 1h10, donc ouais, on commence à arriver dans des courses de plus en plus longues. Putain, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout à cette course. Habituellement j'arrive à rattraper les mecs sans mettre de nitro et tout, mais là... Regardez ça. Ils sont là. Mais c'est les deux premiers, le troisième... Bah le troisième il s'est vite fait poutrer. Enfin le troisième, le premier il faut... Faut que j'utilise les bons termes quand même. Mais la course elle est longue. Bordel, elle est où l'arrivée? On est parti pour une demi-heure de course là. On a toujours pas fini un tour, il y a 4 tours. Oh là là, mais... C'est hyper long. C'est sûr, si je perds la course, je vous fais ça en ellipse, parce que là... Je pense que c'est un bug, le nombre de tours. En vrai, il y a que... En vrai, il y a que 2 tours. Enfin, faut espérer que ça soit un bug. Là je ralentis un peu pour pouvoir pas me vautrer sur le saut. Voilà. Ce qui arriva, arriva. J'y arrive pas du tout à prendre ces virages, c'est n'importe quoi. Ok. Là maintenant il n'y a plus qu'il y a juste à gérer les trois tours restants hyper longs. Regardez, on est à 3 minutes de course, on a même pas fait la moitié de la course. Nawak, c'est n'importe quoi ce jeu. Bon, on va pas prendre le raccourci qui me fait bien ralentir parce que j'arrive pas du tout à prendre comme il faut les trucs. Là on sait pas voir, c'est tout droit et non pas suivre la route. Il est déjà en train de me rattraper le mec. Allez, salut. Faudrait voir si j'ai fait. Ouais, dans le dernier épisode, j'ai fait les améliorations de la voiture. C'est vraiment bizarre que j'ai beaucoup de mal là. Bon, allez, on reprend le raccourci en faisant gaffe de pas se taper les pylônes. Pareil là. Voilà, c'est très bien. Quoi? Mais il vient d'où lui?
Mais tu viens d'où, mec? Ils ont des voitures complètement cheatées. Moi, ça fait 15 courses que j'ai pas gagné les voitures de mes rivaux. C'est pour ça que je galère. Mais là... Alors, bah, je pense que la course, là, je vais vraiment galérer pendant les courses. Ça va devenir plus compliqué. C'est délire. Putain, c'est parti pour 3 heures sur cette course parce que j'arrive pas à la gagner parce que les mecs sont trop... sont trop rapides, ça va pas le faire. Ouais, non, il y a bien 4 tours, c'est pas un bug de... C'est pas un bug d'affichage. Oh putain, ça va être hyper long. Bah désolé de la longueur de cet épisode. J'en suis désolé. Voilà, ça s'appelle bien prendre le saut. Alors on se rappelle, on avait trouvé une technique pour s'enlever de la police dans la gare routière, on se rappelle. On refera ça pendant les défis. Aller vers la gare routière pour que les flics nous lâchent. Hop là. Là on prend tout très bien. Voilà. Là il y a le petit virage à bien prendre. Voilà. Pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire. Même si les mecs sont quand même assez rapides. Ça peut le faire. Voilà, j'ai presque 2 secondes d'avance. Alors on sait que 2 secondes ça veut rien dire. On est tout à fait d'accord. Parce que ce raccourci, voilà, je peux niquer le raccourci, voilà, super. Voilà, le pylône qu'il fallait pas que je me tape. Et je finis 3ème. Je sais pas si c'est une bonne chose de prendre le raccourci, en vrai. Je suis même dernier, super. T'as vu que la course est longue. C'est là où je me dis c'est bien que la course soit longue. Allez, dégage. Après on reprend la tête parce qu'ils ont plus peur de la voiture. MDR. Donc ils ont tous ralenti. Sauf moi. Oh là, le virage, je l'avais oublié. Voilà, ça passe. Et le dernier tour, on en est parti pour le... dernier tour. Alors ils arrêtent pas de passer par la station service parce que j'arrête pas d'entendre la station Mais non, c'est de la merde, j'ai eu un mur invisible. On va lui s'y retourner comme un con. Il y a eu un mur invisible qui m'a empêché de faire le saut. Ou une barrière invisible, je sais pas comme vous voulez. Donc ouais, on entend la station service exploser à chaque fois. À chaque passage dans la station service. Ouais, c'est bien le dernier tour, 4 sur 4, c'est bien ça. Je croyais qu'il en était en... il y a resté un tour, mais non. Putain, 7 minutes. Déjà, là... voilà. Bon bah, l'épisode va s'arrêter là. Pour cause de courses trop longues. Mais si toutes les courses sont super longues comme ça, l'épisode, c'est sûr, ça sera coupé en deux épisodes. Parce que je me donne genre 1h30 d'épisode, 1h10 d'épisode. Si l'épisode fait plus d'1h10, après montage et tout... Et bah, je le coupe en deux l'épisode, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas eu à le faire dans tous les épisodes que j'ai posté. J'ai pas eu à faire de coupage de deux épisodes, enfin d'un épisode en deux. Alors là, cette fois-ci, on prend pas le raccourci parce qu'il fait perdre beaucoup trop de temps. Beaucoup mieux de passer par là, ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Putain, mais les mecs, ils me rattrapent, c'est fou. J'aimerais vraiment savoir la vitesse de leur bagnole. Là, on n'oublie pas ce petit virage. Donc
que j'avais oublié tout à l'heure. Je suis un peu crispé parce que j'ai pas envie de perdre cette course, parce que 10 minutes de course, ça va bien une fois, pas deux. Oh putain, il m'a fait peur, il m'a fait trop peur et il s'est vautré. Oh putain. Oh la course super longue. Bon bah voilà, première course. Voilà, première course réussie. Putain, c'était long. Oh, c'était hyper long. Espérons que ce soit pas tout comme ça. Non, la première course finie. Et bah parti pour une élimination en 3 tours et non pas 4, putain 8,6. 15 km. Ou alors c'est 15 km mais les 3 tours 15 km, je sais pas. C'est encore une course, ça risque d'être encore long ce bordel. Mais là il y a que 3 tours parce que c'est une course élimination. Donc faut pas être dernier à la fin du tour. Voilà. Faut réussir à être premier. Voilà, le petit démarrage parfait. Je l'ai vu ce raccourci. Mais vas-y, fonce-moi dedans, je te dirai rien, enfoiré. On esquive les bagnoles. On esquive les pylônes. Oh, on est dans la... On prend la sortie où il y a tous ces putains de virages à la con, là. Ça, je l'ai plutôt bien pris. Et voilà, on est reparti. Let's go. Oula. J'aurais pu prendre à gauche en coupant. Tant pis, je le saurai pour la prochaine fois si j'y pense. Ah, et on passe à l'hôpital. Mais je sais pas où ils passent, eux. Il y a un raccourci quelque part que je connais pas. Ce qui fait que, bah voilà, je suis troisième. Et voilà. Et Wills est éliminé. Oh putain. Ouais voilà, il y a vraiment un raccourci au niveau de l'hôpital que je connais pas. Bon ça, cette course est pas trop longue. Mais là c'est juste que bah je me fais distancer et ça va pas le faire. Parce qu'en plus le raccourci il est juste avant la ligne d'arrivée. Faut que j'arrive à voir où est-ce qu'il est. Pour comme ça, si je perds la course, à la course que je ferai hors caméra, enfin hors tournage, vu que je vais devoir la refaire et je vais vous couper ça, si je la perds, je pourrais le prendre le raccourci. Ou même, je pourrais le prendre dans le deuxième tour, enfin dans le dernier tour. Là, on se rappelle, on coupe le virage par là, voilà. Alors là, il tourne à gauche, c'est ça? Il est où? J'essaie de voir où est-ce qu'il est. Ok, il est là-bas. Ok, je l'ai. Il est là, le raccourci, qu'ils prennent. Ok, d'accord. Bon bah, c'est un raccourci que je connaissais pas, que maintenant je connais. Que je vais connaître maintenant. Ok, bon maintenant, il faut que je garde ma deuxième place. Parce qu'on arrive à l'arrivée. Non, je vais pas être éliminé. Non. Eh bah si. Bon. Je refais la course hors caméra. Donc à tout de suite. À tout de suite. Pour jusqu'à la fin de la course. Oh, c'est bon. Bon, c'est tranquille. J'ai réussi. Elles sont longues et compliquées. De plus en plus compliquées les courses quand même. C'est chaud. Un photoradar, let's go. En espérant que ce photoradar, j'y arrive. Que je sois assez rapide, parce que vu mes adversaires actuels, c'est compliqué.
Donc allez, let's go. Oh là là. Fais bombarder les moteurs. Donc là, le but, c'est d'aller vraiment le plus rapide au niveau des radars et non pas de finir premier. En principe, il faut finir premier parce que si tu finis pas premier, si tu finis pas premier, bah t'es ton temps, enfin ta vitesse cumulée, bah elle diminue. Donc, ou alors faut finir deuxième, on peut finir dans les trucs, mais faut pas, enfin. Deuxième, troisième ou quatrième, faut pas rester vraiment trop loin du deuxième quoi. J'arrive plus à parler, je suis assez concentré. Enfin, j'aurais pu prendre le raccourci, tant pis. Ah, le premier il est parti. Essayer d'avoir le maximum de vitesse possible. Parce que vu que je suis pas premier. Enfin, c'est vrai que j'arrive à les rattraper, mais. On va prendre à sens normal. Ok. C'était le dernier radar. On arrive à la fin de la course. Je suis premier niveau vitesse cumulée, donc c'est tranquille, yes. En plus, je pense que j'aurais mis la misère. Ah ouais, 1855, 1577 pour le premier. Ah ouais, bon bah, c'est une bonne chose. Au moins une course où j'aurais pas besoin de faire de coupure encore. Enfin, je dis encore, mais la première non plus, j'ai pas fait de coupure sur le premier circuit qui a été hyper long. Encore un photoradar faible. Bon, let's go, allez, continuons dans les bonnes affaires. Allez. Oh, un espagnol. Un espagnol à ma droite. Allez, si l'espagnol commence à me vouloir me foutre en l'air, ça va pas le faire. Non, personne s'est pris la voiture, dommage. Ça aurait été drôle. Mais un peu moins drôle pour moi parce que je pense que j'aurais été le mec qui l'aurait tapé en plein dans la gueule parce que je suis dans la dernière position. J'ai totalement foiré le truc, mais je suis premier, ça va. Enfin, le passage du radar parce que je me suis tapé la barrière et tout qui a dû me faire un peu ralentir. Donc j'ai pas fait la meilleure vitesse qu'il fallait, mais c'est pas grave. Oh, il y avait... Non, je sais pas si... Non, il y aurait... À droite, il y avait pas le raccourci. Oh là, le changement de caméra en haut, là, il m'a un peu... déstabilisé. Oh là là, mais il faut que j'apprenne à prendre des virages. On va essayer de rattraper les deux premiers. Voir le troisième aussi parce que là je suis. Ouais, j'aime bien me protéger au mur aussi. Oh putain, il est parti le premier. Et ça, vous le savez depuis un moment que j'aime me frotter au mur. Bah pourquoi? Mais what? Mais non! Mais c'est de la merde! Bon, ça va que putain, j'ai réussi à récupérer ma première place. Et quelqu'un qui a détruit le stop poursuite et je me le suis pris. Oh, putain de camion de pompiers à la con là. Bon, bah, j'ai perdu, c'est bon. J'ai totalement perdu la course. Oh putain, mais vas-y, tape-toi tous les murs, c'est bien. Enfin, tous les véhicules. Les radars sont quand même dans des endroits les plus... Oh là là. Il faut aller où là? Le radar pris à je sais pas combien. Pourquoi il a pas compté? Le radar il a pas compté. Ce radar n'a pas compté. Comment ça?
Bon, la course va être à refaire. Parce que là, j'ai tellement de retard. C'est insane. Ouais, je suis déjà en train de perdre des vitesses, alors que j'ai même pas passé le dernier radar. Vous savez quoi? On va le refaire. Oh, cette course, elle est compliquée. Bon, allez, à tout de suite. Dès que j'ai fini la course, on se retrouve, à tout de suite. Oh putain, j'ai lui refait deux fois la course. Oh putain, j'ai réussi. Elle est compliquée parce que le passage dans l'espèce de tunnel à la con là, il est compliqué parce qu'il y a plein de pylônes à esquiver avec les voitures tes adversaires qui te foncent dedans et tout. Donc j'ai fait 1154, 1076, c'était quand même serré. C'était très 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 serré. Mais j'ai réussi. Ah, Rogue. Encore plus de flics, tu attires l'attention, alors surveille bien le niveau d'embrouille de la voiture que tu conduis. Si tu es en niveau 5, tu vas passer un sale quart d'heure. Ce niveau déclenche l'arrivée de gros SUV, d'hélicoptères franchement agressifs et de ton pire cauchemar, le sergent Cross et sa corvette spéciale. Mieux vaut que tu n'aies pas affaire à eux. Bah j'ai déjà eu affaire à eux, pour tout te dire. Ok, donc nouvelle course. J'ai déjà eu affaire à Cross et tout, donc voilà, avec sa corvette. Donc prochaine course qui est un truc, mais ça sert à rien le sprint. Élimination directe, zone industrielle, let's go. Oh, les courses deviennent de plus en plus compliquées, c'est chaud. Moi qui trouvais au début le jeu assez simple, je rigole un peu moins. Mais c'est normal. Allez. Alors élimination, ne pas finir dernier le tour, c'est tout. Voilà. Bah merci mec de m'avoir mis dans le très bon angle pour que je puisse prendre mon virage. C'est très gentil à toi. Bah, faut bien remercier les adversaires quand ils nous aident. En vrai. Sinon c'est... Faut être poli dans la vie quand même. Oh. Oh, les virages ils sont assez serrés les virages là ici dans cette course. Bon, le premier tour c'est toujours le tour de découverte. Et ensuite le deuxième tour c'est le tour où on essaye de faire une bonne course les autres tours. Là c'est la découverte donc c'est pas très grave, je vois encore plein de virages serrés. Mais c'est pas une voiture de course qu'il a lui, c'est une voiture familiale. Pour aller faire Pour aller en vacances quoi. T'as pas une voiture de course Anderson? Oh là là. Ok. Cromer est éliminé. Oh là là là, les virages, j'arrive pas à les prendre. Aujourd'hui les virages c'est zéro, j'arrive pas à les prendre. Mais arrête avec ta voiture pour aller en vacances en famille là. J'aime pas du tout entendre le moteur de mes adversaires dans le casque. Ça me stresse un truc de ouf. J'ai toujours la peur de me taper des putains de voitures arrivant en contresens. Genre les taxis, on se rappelle, mon amour pour le taxi dans ce jeu. Pourquoi il a arrêté lui? Il a pas à être arrêté. Hop là! Et donc Anderson est éliminé. Anderson, le mec avec la voiture familiale. Ah, vraiment, les courses sont plus compliquées.
ça se sent, les adversaires sont plus coriaces. J'utilise de plus beaucoup plus le nitro qu'avant. Parce qu'avant je l'utilisais pas trop dans les courses, maintenant je fais que l'utiliser. Donc ouais, ça devient très compliqué. Et là, il faudrait que j'arrive à le dépasser maintenant, parce que sinon c'est la merde. Et ça va être beaucoup plus la merde, ouais. Moi, je pense qu'on va encore faire une ellipse pour cette course. Parce que là, je vais être éliminé. Ouais, c'est mort. Ou peut-être pas, attendez. Il y a le dernier virage. Oh, il l'a bien pris, putain, il l'a bien pris. Oh là là, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Oh là là. Ils sont trop compliqués les courses maintenant. Bon allez, on se retrouve dès que je finis la course. A tout de suite. Yes. Oh, c'était une bataille acharnée entre le premier et le deuxième, entre moi et mon adversaire dans ce dernier tour. C'était tendu. C'était très tendu. Oh là là, ça devient très compliqué, c'est chiant, j'en ai marre. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter le jeu, parce qu'on a dit qu'on allait finir ce jeu. Donc elle est faible, un petit circuit faible. Et j'aime bien faire toutes les courses, c'est bien quand il y a toutes les coches. Après il y a un ou deux défis que j'ai pas fait de tout le truc, mais voilà. J'aime bien avoir les petites coches et tout. En plus j'aime bien, ça fait découvrir la ville et tout le bazar. Voilà, donc petit circuit de 3 tours cette fois-ci, non pas 4 comme la première. Donc ça sera peut-être un peu moins long, j'espère. Parce que les 10 minutes de course là... Déjà ça va être un épisode de 6h30 parce que les courses j'y arrive pas et tout le bazar. Ah, j'aurais pu prendre le raccourci, merde. Ils l'ont tous pris, mais je suis quand même en tête malgré qu'ils aient pris le raccourci. J'aurais pu encore prendre le raccourci à droite, je sais pas si c'est un bon truc à prendre. Ça mène dans le camping, donc je pense pas. Parce que le camping, j'ai tendance à me perdre dedans. Ouais, non, arrêtez avec les cinématiques de saut. Parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de cinématiques de saut, c'était de la merde. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je dis pour l'instant parce qu'on se rappelle dans les autres épisodes le karma, on aime. On aime beaucoup le karma m'aime beaucoup. Que à chaque fois que je dis ouais, c'est tranquille, ça passe et tout, le karma il tape très très fort. Hop là, premier tour fini. Je vais prendre ce passage, on va voir si c'est mieux ou pas. Vu que là je prends le tunnel et ensuite c'est du tout droit, alors que si je prends à gauche je suis obligé d'y aller de tourner quoi. Alors on prend pas le raccourci pour aller au camping. Parce que le camping j'aime pas ça, si en vrai j'aime bien. Pourquoi vous me faites pas la petite cinématique de saut là? C'était pour me faire chier le premier tour, c'est ça? Oh mais arrête de taper les murs, bordel! Un 15 secondes d'avance, pas trop mal. Poussez-vous les gars, merci.
Ouais, je continue à prendre le tunnel. Parce que c'est vraiment le passage que je connais le mieux des trois. Même si dans une course on avait pris les trois passages, on se rappelle, je sais plus quelle course, dans quel épisode. Mais voilà. Allez, dernier tour! Ouais, si je commence à me taper toutes les voitures dans ce dernier tour, ça va pas le faire. Ne pas prendre le raccourci, parce que il va plus me faire perdre autre chose du temps que... voilà. En plus, le raccourci, il te ramène dans un truc où il faut tourner direct à gauche, donc non, c'est pas une bonne idée, ce raccourci. Oh là là. Ça va, tout va bien, vous inquiétez pas. Bon, on l'a eu une fois, cette cinématique de saut, je sais pas pourquoi, mais... Peut-être que j'avais sauté un peu haut, donc parce que j'ai dû mettre un petit coup de nitro à cet endroit-là. Ce qui fait que je me suis envolé. Et que donc le jeu, il s'est dit, tiens, ça serait bien de mettre une cinématique. Tant pis, c'est pas grave, ça m'a pas déstabilisé plus que ça. Donc c'est une bonne chose. 13 secondes, j'ai perdu 2 secondes. Mais c'est pas grave. Hop là, ça dégage les petits plots. Ah, les derniers virages. Enfin, les derniers virages. Et le dernier virage, c'est la victoire. Oh, très simple. Trop simple, cette course. Je me plaignais que les courses étaient compliquées. Là, cette course était trop simple. Mettez-moi un peu de challenge, et puis quand ils vont mettre du challenge, je vais pleurer parce que il y a trop de... c'est trop compliqué. Je me connais. Ah, faible. Oh, une course contre la montre, allez. C'est cool. Et après, il y a un drag. Une deuxième course contre la montre et un drag. Le drag, ouais, je vais pleurer sur le drag. Bon, c'est une course contre la montre, alors. 55 secondes pour le premier péage. Ok, let's go. 55 secondes. Je sais pas si ça le fait, parce que je sais pas s'il est loin ou pas. Je sais pas si c'est au ras du cul ou si c'est tranquille. On verra ça. Alors on passe par la centrale. Non, par les quais. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Ça doit être les quais. Ouais, je sais pas. Oh le bordel. Ok, on reprend un peu de vitesse. Et la voiture, pas trop parce que là... Mais non, la cinématique. Elle va me faire rater mon virage. Voilà. J'en étais sûr qu'elle allait faire rater mon virage. Il me reste 18 secondes, le péage est juste après ces virages. Ok, donc 1 minute 30. Oh, la gare routière. Mon meilleur ami pour les flics. Vous savez, pour ceux qui savent, qui ont vu le dernier épisode, le savent. Allez hop. Le petit saut. On est à Rosewood. Mon meilleur... l'endroit que je préfère, Rosewood. Allez, on passe par les petites rues là. Je sais pas si c'est une bonne chose de passer par cette petite rue. Ça a l'air d'être une bonne chose parce qu'après on part tout droit. 40 secondes il me reste pour le prochain vieil péage. Il y en a 4 à faire, ok. Ok, oh ça va, tranquille. Vraiment tranquille. Il est juste là. 1:27, prochain péage. Il y en a à la moitié de la course. Après, les courses contre la montre, j'y arrive plutôt facilement. Parce que j'ai une voiture plutôt rapide. Donc ça va pour les courses contre la montre. Vraiment quand les courses contre les adversaires où je panique un peu actuellement parce qu'ils sont assez coriaces. Mais contre la montre, c'est tranquille. Enfin c'est tranquille jusqu'à un certain moment quoi.
Oh, c'était très joli cette esquive de la voiture, mais là, j'ai un peu fait de la merde. J'ai tapé deux fois le mur. 35 secondes, le péage est juste là. Oh là. Ok, une 10 pour le dernier péage de la course. Et on est à 87% de la course, ouais, ça devrait le faire. Allez, let's go. Oh bah il est arrivé. Oh, c'est tranquille. Vraiment tranquille cette course. C'est tranquille. Ok. Allez, il nous reste quelques courses à faire encore. Alors, on a les victoires en course, ça c'est cool. Faible. Ah bah faible aussi. Bon bah let's go, on va faire ce nouveau contre-la-montre en espérant que ce soit un peu plus compliqué, même si je pense que voilà. Allez. Let's go. Une 34. Ok, une 34 pour le premier péage. Et il y a 4 péages aussi à faire, ok. Ah oh, j'ai pris le passage que j'aimais pas. Avec les pylônes. Ah non, peut-être pas. C'est un autre passage, ok. C'est pas le passage des pylônes, ça va. Parce qu'à un moment, l'autoroute, elle se scinde en deux. Il y en a une qui est en bas et en haut. Et celle du bas, il y a des pylônes, c'est très très chiant. Mais là, c'était pas ça. C'était pas cet endroit. Allez, allez, allez. On ralentit parce que ce virage est assez coriace. Ok. Oh, on passe encore dans la gare routière, mon meilleur ami. Salut la gare routière, tu m'aideras tout à l'heure, t'inquiète pas. On te verra dans l'épisode. Allez, 20 secondes. On est arrivé au premier péage. Si, enfin, on n'y arrivait pas trop parce que je me tape un taxi. C'est bon. 58 secondes. Mais non, je la touchais pas la voiture. Il y a eu un bug de collision. Le mec avec la, il a une mauvaise foi. Ouais, faut tourner la voiture. Elle tournait plus la voiture. C'est pas grave, j'ai encore du temps. Voilà, 56 secondes pour le troisième péage. Ok. Merci. Très beau saut. Non, très mauvais saut. Ah oh, le saut il a été. Ouais j'aurais pu prendre le raccourci, on est d'accord, mais tant pis. Ah oh, le saut il. Il a fait très mal. Mais ça va. 54 secondes. On est à 85% de la course. Oh la poubelle de merde. Ok, la centrale. Ok, on y arrive. Enfin non, on n'y arrive pas, mais... Ah si, on y est. Oh, ça va. Malgré la petite erreur du saut, c'est passé. Ça va. Je suis plutôt... Allez, dernière course avant de faire les radars. C'est une course de drague. Highclay State. Oh, ça va être long. Puis il y a le passage du rond-point. Ça, j'ai un peu peur, ce passage. Allez, let's go. Quelques essais, si j'y arrive pas, bah, ça sera en ellipse, comme d'habitude. Les courses de drague, vous savez que j'ai beaucoup de mal.
Oh le sous-régime. Oh le sous-régime de merde que j'ai fait. Troisième. Oh là là, ça va être compliqué. Il va être très compliqué cette course de drague. Très 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 compliqué. Il y en a un, il y a le quatrième, il y a la voiture à sèche. Mais comment ça, sous régime? Le truc était en vert, en bleu. En vert. Le mec à ma gauche, il m'a totalement niqué mon... Niqué mon... Ma course. Il m'a fait ralentir. Ah oui, je vais recommencer, let's go. Oh le sur-régime. Oh le sur-régime que j'ai fait. Enfoiré ! C'est interdit par la loi du fair play. Non ! Je me battais avec l'autre con à ma gauche et il y a le mec à la droite qui est passé. Putain, connard. Connard. Ah merde. En plus, le mec avec qui je me battais, il a eu sa voiture à sèche. Ah, c'est le bordel cette course. Mais il va trop vite ta voiture à lui là. Le mec, c'est un tricheur. Ouais, ah bah troisième. Oh même pas, je finis la course à sèche. À l'arrivée. Bon c'est pas grave. De toute manière j'avais perdu. Et sous-régime de quoi? J'en ai marre de faire un sous-régime dès le début de la partie. Oh, là j'ai appuyé comme un débilos. Ah il m'a niqué toute ma nitro. Enfoiré. Fort. Ils sont trop forts. Bon, dernier essai. Et ensuite, petite ellipse. Mais tu vas arrêter, toi, connard, d'essayer de me foutre en l'air. Allez, voilà! Oh! Bande de cons! Ça, c'est fait! Maintenant, on va faire les radars. Les deux ou trois radars qu'il y a à faire. Il y en a un, deux et trois, ce qui est caché par la musique. Ok, let's go! Et bah, 245. Oh, on commence par le dernier. 245, ok. Est-ce que ça va le faire, 245? Ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça c'est fait, ok. Une bonne chose de faite, le premier radar est fait. On est parti pour le deuxième. Ah, 265. Ça va le faire, j'espère. Let's go. Et après on va voir les défis de la police, pour ensuite faire... 200 combien, 75? Je sais plus déjà. Je sais déjà plus combien de kilomètres il faut faire. Tant pis. On va y aller au feeling. Et il est compliqué. Ce radar, pour faire combien déjà? 265. Ah, oh, j'y étais presque. Allez,
Le Bullet format Valentine, il va me donner la force de faire ce radar. Mais non, connard. Ouais, bah, jamais je l'aurai. 200. On va essayer de l'autre côté, peut-être c'est mieux. Ouais, je sais pas si c'est mieux de l'autre côté. On va essayer. On va essayer de faire les 265 en partant par là. Allez, let's go. On va faire demi-tour ici. Au croisement. Voilà. Let's go. Allez, on attend que lui passe. On est reparti. Mais non, il est après le virage, merde. Merde, il est après le virage, j'avais pas vu. Bon, on recommence, tant pis. Je croyais qu'il était avant le virage, mais non, il est après. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, let's go, on recommence, tant pis. Allez. C'est ce virage là, ce putain de virage à la con là. Mais non, trop lent, j'étais à 260, je sais pas quoi. Putain, je vais être à 260. Oh, oh, c'est merdique. Tant pis, on va recommencer. On va faire comme tout à l'heure, on va se mettre au niveau du croisement et... Ouais, let's go. On est parti. 265. Il est compliqué, il est vraiment compliqué ce radar. 265. Oh là 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 là. Vous savez quoi? Petite ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. A tout de suite. Et ben voilà. Quand je me tais et que je me concentre, 275. Voilà. C'était très simple. Je l'ai. Je pense que je vous le laisserai entièrement parce que j'ai même pas fait d'ellipse. 290. Bah allez, let's go. Parti pour les 290, c'est sur l'autoroute, ça devrait le faire. Enfin, ça a l'air d'être sur l'autoroute. Mais si c'est sur l'autoroute, à l'endroit où il y a plein de virages, c'est mort. Et ça a l'air d'être ça, en vrai. Bon voilà, 295. Ok, les radars c'est fait. Maintenant, voyons voir les défis de la police à faire, parce qu'on va faire les courses avec la police. Donc 28 voitures de police, une prime de 325 000, 150 000 de dégâts et 6 infractions. Ok. Donc on est parti pour faire la première course de péage, North Bay Beacon, let's go. Qui est avec le flic Maxi, c'est une course contre la montre. Let's go. Combien premier virage? 55 secondes. Ok, let's go. C'est une course où il peut avoir les flics, je vous rappelle. Enfin, où il y a... Il peut avoir les flics, il va avoir les flics. Parce qu'on est en élevé. Présence de flics, donc voilà. On est dans un endroit que je kiffe pas du tout. Pour faire un péage. Quand ça le fait, c'est bon. Là-dessus. Pas de problème. 1,50. 7.
Oh. Ah bah les flics, les voilà. Allez, salut les mecs. Avec leur voiture banalisée. Noire. Oh putain. Wouhou ! Direction la conserverie. Pour l'instant, on s'en fout des flics. Tout ce qu'on fait, nous, c'est réussir cette putain de course. Alors, je dis que j'aime pas passer par le... Par le camping, qu'est-ce que je fais? Je passe par le camping. Oh, c'est bête, vous avez perdu une voiture. Oh, que c'est con. 53 secondes, il me reste. Il y en a 4 péages à passer. J'avais pas regardé le nombre de péages, mais il y en a 4. Il y a un con, il vient de me foncer dedans. Ok, donc une 44. On va passer avec les corvettes. Voilà, je suis dans l'usine, la raffinerie, comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Dans le pénitencier, l'endroit où je risque de finir dans quelques minutes. MDR. Oh, ça va, le temps il est généreux. 1,34. Allez, let's go. Le dernier péage, on est à 83% de la course. On va bientôt passer au niveau 5 de poursuite. Ça, j'ai très bien pris le virage. Et si je me rappelle bien, c'est juste après le... Juste après ça, il y a le péage, ouais, c'est ça. Allez, let's go. Maintenant, faisons nos défis qu'on a à faire. On a une infraction déjà, sur 5. Deux infractions, dommages matériels. Trois infractions. Il y a 16 voitures à mon cul, ok. Oh, je l'avais pas vu. Je suis mort. Putain, j'avais pas vu le barrage. Je l'avais pas vu. Tant pis. Tant pis. J'avais pas vu ce barrage. Enfin, cette herse, parce que c'était une herse, c'était même pas un barrage. Et ils m'ont bien eu. À payer avec un pass. Bon bah on va faire la prochaine course. Ah merde, dommage. Petite course radar en maxi avec les flics max. Ah c'est dommage. Allez, let's go. Cet épisode va être extrêmement long. Il y a un Mexicanos, il y a un Mexicain. Je la trouve très belle, la voiture du Mexicain.
Enfin, je dis que c'est un Mexicain, mais ça se trouve. Ça se trouve, c'est pas un Mexicain, c'est juste qu'il aime le Mexique. C'est pour ça qu'il a mis le drapeau du Mexique sur sa bagnole, ça doit être peut-être ça aussi. J'ai pas pris le raccourci parce qu'il y avait un mec devant. Enfin, un civil. Mec, non. Oh l'enfoiré, il m'a poussé contre le taxi. Il m'a empêché de tourner pour que j'esquive le taxi. Et je suis deuxième. Putain, le mec, il a le premier, il m'a mis 20 km dans la gueule. Je suis en train de faire une course merdique niveau kilomètre heure. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, bordel. En plus les filles ils en ont même pas après moi. Et on reprend la tête dans la cumule des vitesses. Vas-y, tape-toi la poubelle, c'est très bien. Ah là, il m'a enfin repéré. Je vais pas passer par le camping. J'avais pas vu que le radar était là. Je l'avais pas du tout vu. Il est dans ces virages de merde le radar, mais non. T'as pas le droit de te mettre dans des virages comme ça le radar. Ah y'en a un, il a été coincé. MDR. Regardez le troisième, il est coincé. Il a été coincé. La course se joue entre Santos et moi. Oh la voiture de flic, elle a bien volé. Ça vole bien une voiture de flic quand même. Ah les fameuses corvettes. Et voilà. Et il y en a une qui est un peu. Là elles sont blanches, il y en a une qui est un peu orangée, c'est celle de Cross. Dégage avec ta corvette de merde. Limiter la casse sur ce radar. Il y a tellement de monde. On arrive à la fin de la course. Voilà, maintenant on va s'échapper. Ils ont fait combien les autres? Alors il y en a un qui a été coincé, qui a fini à 603, 901. Oh, ouais, ça va, j'ai mis Je sais pas où je suis parti, mais je suis parti. Allez, on va passer sur l'autoroute. Mon endroit préféré. Et je m'apprête à tout moment à appuyer sur le super contrôle. Je tape ici. Voilà. J'ai eu chaud. Voilà le fameux super contrôle que vous avez pu voir en action. Ça peut super bien aider pour les flics.
Oh, c'est bête. Oh putain, j'avais pas vu. Oh, je les avais pas vus là, les deux béliers arriver à ma devant moi. Après, je regarde pas beaucoup la minimap non plus. Oh là là, oh l'hélicoptère. Oh là là, l'hélico qui m'empêche de... Ok, il y a un barrage ici, je le prends pas. Parce que je suis pas prêt de sortir de l'autoroute. C'est pas aujourd'hui que je sortirai de l'autoroute, je vous dis les mecs. Oh l'hélico, il m'a foncé dedans, vous avez vu ça? Ouais, le fameux passage que j'aime pas, tant pis, on le prend quand même. Mais c'est pas possible, je me suis tapé le mur comme un con, là je me suis fait avoir comme un con. Je me suis fait avoir comme un con. Putain, j'en ai marre. Je me suis fait avoir comme un con. Bon allez, on utilise le dernier pass. Même s'il m'en reste un, j'aime toujours avoir un pass d'avance. Oh là 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 là. Allez, un petit sprint. De Valea State, let's go. Et après les défis, je pense que les défis je les ferai de mon côté. Et on se retrouvera à la fin des défis pour affronter notre notre rival. Alors je commence avec vous et je finis, voilà. Je fais une petite ellipse et je finis. Enfin j'essaye de finir. Parce que... très mauvaise idée, bravo Link pour tes idées à la con d'essayer de prendre le raccourci. Après ça aide le raccourci, mais quand même là je vais se taper totalement le mur. Mais ça va, ils sont pas si loin que ça. Oh là 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 là. Donc en vrai on peut être pris dans une... enfin on peut être coincé dans la course par les flics. Les flics peuvent nous coincer en pleine course. C'est bon à savoir. Hop là les flics, salut. Et ils ont une voiture... pourquoi ils ont une voiture de merde comme ça? Alors que ça va être les corvettes. Je sais pas. C'est peut-être un bélier. Ah ouais, c'est une corvette. En plus, c'est dans la nitro les voitures de flics. Parce que j'ai vu le mec devant le flic devant moi mettre de la nitro. J'ai cru que c'était un adversaire. Mais pas du tout, c'était le flic qui a mis de la nitro. Parce que j'ai regardé mon classement, je vois que je suis premier, je me dis ah bah d'accord, c'est les flics qui ont de la nitro. S'il vous plaît, ne gâchez pas ma cour. Ok. Les flics. Barra 4. Oh, oh, oh. C'est bon, il a dit Barra 4. C'est le nom de code. J'espère que la course se finit sur l'autoroute. Ça serait bien. On a 10, il reste 10% de la course. Ah, il se finit pas sur l'autoroute. Ah, il se finit en ville. Ça, je vais pouvoir très vite reprendre l'autoroute. Oh merde. Hop là, premier. Devant la voiture de flic. Et on continue, allez, let's go. Parfait,
Et on va aller récupérer le autoroute. Alors je sais plus du tout où est l'autoroute. C'est super. Ouais, je suis plus du tout sur l'autoroute là. J'ai totalement raté l'autoroute. Non, je voulais pas passer dans le passage qu'il y avait. On va partir par là, c'est très bien. On va prendre là. On va casser ça, voilà. L'arrière des voitures, on se rappelle, voilà. Oh merde, c'est pas passé. Si, c'est bon, c'est passé. Très difficilement, mais c'est passé. Et où est-ce qu'il est, ce putain, et où est-ce qu'elle est, ce putain d'autoroute déjà? Je vais mettre la carte pour voir où est-ce qu'il est, l'autoroute. Alors là, faut que je prenne à gauche et ensuite à droite. Ok, à gauche là, après le l'arrivée, à gauche là et ensuite à droite. Voilà, c'est bon, on a retrouvé l'autoroute. Ok, défi de prime réussi. Hop, ça dégage le barrage. On peut ravaler nos clous. Regardez le... l'hélico qui fait nawak. Ça me fait très... ça me fait extrêmement rire ça. Il vient d'où lui? Il venait d'où? J'en sais pas. Allez, let's go, let's go, let's go. Vos clous, vous pouvez vous les ravaler aussi. Voilà, donc faire le tour de l'autoroute, vous savez quoi? On se retrouve dès que j'arrive ou que je me fais choper. Donc à tout de suite. Hein? Mais non! J'ai été coincé? J'étais en haut, j'ai été coincé parce que j'ai pas fait gaffe. Merde! Merde, fais chier! Putain, j'ai été coincé comme un con! Oh! Alors que le mec il est tombé! Bon bah on va payer avec du cash, allez! Première croix, allez, let's go! Ah merde, ça me fait chier! Et je pense qu'on a fait toutes les courses en vrai! Ouais, on a fait toutes les courses! Donc, vous savez quoi, on se retrouve dès que j'ai réussi les défis! A tout de suite! Est-ce que ce petit message de Cross dit que veut me dire que bah oui, je peux avoir JV parce que j'ai un message pour affronter JV. Donc je vais l'écouter tout de suite. Eh bien voilà, autour du numéro 4 de la liste noire, JV est quelqu'un de très apprécié par ici. À toi de le battre, mais c'est pas fini, tu sais. Alors, ne traîne pas en route. Allez, let's go. Allons battre JV.
comme il l'appelle, et non pas JV comme moi je l'appelle. Alors même si j'ai pas fait tous les défis, il manquait deux défis à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il manquait les 325 000 de primes et les 150 000 de dégâts. Mais vu que ça commençait à être tendu, je suis parti dans la gare routière et je me suis dit, comme ça au moins, je suis tranquille. Voilà. Donc let's go pour le défi rival, on a trois trucs à faire, trois courses. Une course de photoradar, un drag et une deuxième photoradar. Parce qu'on se rappelle, c'est le pro des photoradars. Allez, let's go. Allez, let's go. On commence... Oh, c'était stylé ce début de course. On commençait tous du... On commençait pas du même côté. C'était très 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 sympa. On était en face à face, c'était très bien. J'aime beaucoup ce début de course. Je veux ce truc que j'ai encore une fois oublié. Allez, je lui mets la misère niveau vitesse. Alors, ce qui me fait le plus peur dans cette... Oh bordel. Dans cette course, c'est vraiment la course de drague. Dans ces deux types de courses. Parce que je pense que la course radar, ça va être tranquille. Mais la course de drague, ça va être très compliqué. Donc à voir. Dégage. J'ai un peu d'avance. Il s'était vautré quelque part, je sais plus trop où. Mais j'ai vu qu'il s'était vautré comme un con. Voilà, 257. Ouais, je suis en train de regarder les kilomètres heure et je me tape les murs. Super. Allez. 213. Je pense pas que ça soit mon meilleur truc celui-là. Bien joué. Ouf, c'était très joli. Voilà. Toujours en tête. Il est en train de me rattraper. Il me rattrape quand même avec sa voiture. Je sais plus ce qu'il y a comme voiture. Mais niveau vitesse, je suis meilleur que lui de 200, presque de 200 km/h. Ah mais ces virages-là, c'est les virages qui vont tuer ma course. Oh, ta mère. J'ai plus parlé. J'aurais pu aller à gauche. Tant pis. Allez, première course terminée. Oh, ça va, il y avait beaucoup d'écart. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais ouais, ça va. Ok. Deuxième course, la course de drag. 48 secondes. Oh, elle va être longue. Oh là là. Bon, bah, let's go, faisons un peu du drag. Toujours avec ces belles cinématiques d'introduction. Oh le camion! Oh c'est passé! Monsieur Régi! Oh. Alors le problème dans les courses de drag, putain, c'est que on ne sait pas. Non, on sait pas où est-ce qu'il y a notre adversaire. Il avait sa voiture HS, merde. Ah merde. Fuck, tant pis. Ah il avait HS sa voiture. C'est dommage parce que j'avais plutôt fait un bon début. Là, on passe en dessous du camion. Hop, 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 hop. Mais non, merde. Oh. Allez, concentrons-nous un peu. Voilà. Là, on passe là. Là, on passe sous le camion. Là, on fait gaffe à lui.
Oh non, non, non. Mais... Oh putain, je me tape toutes les bagnoles. Mais Link, c'est pas le moment de faire de la merde. Je sais pas où est-ce qu'il est, mon adversaire, le problème. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait de la merde. J'ai mon moteur qui est mort. J'ai gagné. Il y a eu la voiture à sèche, c'est ça? Oh putain, cette chance. Oh, cette chance qu'il ait sa voiture HS. Oh putain, cette fin de course, elle était merdique. Allez, deuxième photo radar. Et ensuite, on a fini avec lui. Oh, c'était nul. Mais vraiment nul. Ah, j'étais d'une nullité sur cette course de drague. Allez, let's go. Salut mec. Ah, il a pris à droite, j'ai pris à gauche. On a pris chacun un côté. Ah, sa voiture est là. Totalement foiré le virage, mais j'ai fait une meilleure, oh putain, une meilleure vitesse que lui. Je suis concentré, encore une fois, comme d'habitude, pour ce genre de course. Et il est en train de me mettre une misère là. J'aurais pu prendre le raccourci. Ça aurait été tellement mieux. Tant pis. Je l'ai vu au dernier moment, donc voilà. Il s'est retourné tout seul, le mec. Il a même pas eu besoin de moi pour se retourner. Hop là, salut. Allez, let's go. km/h, c'est très bien. Et on a fini les radars. Il n'y a plus qu'à finir la course. Tranquillou, et voilà, c'est fini. Oh. J'allais dire c'est fini, mais j'ai fait me taper le pylône. Et ben voilà, j'y vis. Salut, à la prochaine. Vaincu, voilà, félicitations, vous pouvez choisir deux passes de JV. Est-ce qu'on va enfin gagner sa voiture? Parce que j'en ai marre de pas gagner de voiture. Et bah voilà, enfin on gagne une nouvelle voiture. Voilà, enfin on gagne une nouvelle voiture. Allez, suivant. Liste noire numéro 3. C'est Ronald McCrea, qui s'appelle Ronnie. Sur Aston Martin DB9, neutraliser les flics. Sacré Ronnie celui-là, il est né tout habillé, mais il se la joue mec de la rue. On n'est vraiment pas du même monde, lui et moi. Un jour, le petit chéri a décroché son diplôme, alors papa-maman lui ont offert cette voiture en cadeau. Mais attention, il a tout de même un bon coup de volant et il a fréquenté toutes les écoles de pilotage. Je vous laisse l'introduction. Sympa son introduction. Ok, Rogue. Numéro 4 sur la liste noire. Plutôt chouette, hein? Tu sais quoi? Il paraît que Razor commence à faire profil bas. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Maintenant, c'est entre toi et Razor. Rien que lui et toi. Ça doit être ton seul objectif. T'inquiète pas, c'est mon seul objectif. Là-dessus, j'ai pas de soucis. Est-ce qu'on peut customiser... Non, j'ai envie de voir avant la nouvelle voiture. Voir quelle est la meilleure entre la mienne et celle que j'ai gagnée. Bon, je pense que ça sera la... Ça sera... Oh, en accélération est meilleure. En accélération est meilleure. Vous savez quoi? Je suis en train de ma planque, on va aller au... Parce que je
pense qu'à partir de maintenant, je vais utiliser celle-là. Elle est très belle. Je vais aller à la planque, la planque au garage et voir si on peut l'améliorer. Et ensuite, on s'arrêtera là. Hop. Est-ce qu'on peut améliorer ses performances ou aller à fond? Ah, il y a un truc Ultima, c'est pour ça, ok. Sauf que l'Ultima, il est pas débloqué. Ultima. Ultima. Vas-y, gagne 3 en Ultima, c'est très bien. Les pneus, il est à fond. Les freins, il est à fond. Et le compresseur, il est à fond aussi. Putain, il est totalement à fond la voiture. Bah, vous savez quoi? Je pense que c'est la voiture qu'on va maintenant utiliser pour les nouvelles courses, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, c'était Link à plus tout le monde. Bye bye!